Bonjour les amis de l'atelier, je suis très content de vous présenter Laurine Claude. Bonjour tout le monde. C'est une jeune fille vitrailliste qui a fait l'école d'art et métiers de Paris. Et donc c'est la seule école qui prépare les élèves d'ENA, le oui, diplôme. Oui, c'est ça. L'ENSAMA, c'est l'École Nationale Supérieure d'Art Appliqué et des Métiers d'Art, exactement. Oui. Voilà, à Olivier de Serres. J'étais reçu à cette école aussi, en 81. Et donc, je suis très content de recevoir, et deux fois honorée, je me sens en fait, parce qu'elle a été présentée par des profs de l'école qui m'ont demandé de la recevoir au Brésil. Ça m'a déjà honoré de vraiment recevoir quelqu'un qui vient de la meilleure école de France de vitraillisme, de vitrail. Et puis après, elle a reçu aussi une bourse pour son billet d'avion. De chez UNESCO. Oui, c'est ça. En fait, c'est un programme qui s'appelle Voyager pour découvrir les métiers d'art, qui envoie les jeunes diplômés d'un DMA dans un pays en voie de développement pour apprendre une nouvelle technique et approfondir les techniques déjà connues. Alors, elle va passer 4 mois au Brésil, elle va passer un mois aussi dans un autre atelier à Taubaté, où il y a Sergio et Dulce qui ont un superbe atelier de fusing. Et chez moi, ici, elle va travailler l'encaustique, la peinture à la cire d'abeille, la fresque, la céramique, et puis on va faire la dorure, la polychromie sur sculpture d'argile, d'accord, et peut-être du bois aussi. On va toucher plusieurs techniques là pour essayer d'ouvrir son éventail technique. C'est bien? Oui, c'est ça. Sois la bienvenue. Est-ce que tu es bien logée là, ça va? Oui, très bien. Je suis juste au-dessus de l'atelier, donc. Je suis toujours très très proche de cet endroit, donc je suis très contente. En plus, tu es très gentille, tu t'occupes bien de moi, voilà. Je suis contente. Bon, soyez les bienvenus, les autres jeunes de France et aussi d'autres pays qui veulent développer des techniques ici à l'atelier. Un bonjour à tous, merci. Merci beaucoup, au revoir. Salut.